Bonjour, il y a une question qu'on peut se poser, et c'est vrai qu'il paraît un peu bizarre, c'est pourquoi, je dis bien pourquoi, eh bien, Émilien n'a-t-il pas de petits surnoms comme Jean-Luc Reichmann a l'habitude de faire? C'est-à-dire que, bon, Bruno c'était Fifou Dingo, Eric c'était Fantastérix, Paul c'était Wikipol, Stéphane je m'en rappelle plus, je ne sais même pas s'il y en avait un, Véro c'était Tata Véro, et Léo c'était Léo de Charlotte tout simplement. Mais alors on se pose la question, pourquoi Émilien n'a pas de surnom? Alors je me suis dit que peut-être que c'était parce que c'était un prénom un peu difficile en ce moment. Vous avez Émile Louis, vous avez l'histoire du petit Émile, donc je me suis dit que c'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas de surnom, et je pense que, eh bien, comme tout le monde, eh bien, tout le monde va attendre hein, que dépasse Fifou Dingo, donc Bruno, pour qu'on puisse l'appeler Émilion. Eh oui, je pense que c'est pour ça. Allez, on verra plus tard. Allez, je vous dis à plus tard, justement, bye bye.